chéri dans le pays États-Unis, il y a quelques états clés que le candidat lui-même est supposé qu'il contrôle si toutefois il a voulu remporter l'élection. Eh bien, Kamala Harris, même lorsque le dernier sondage là, que nous pourrions parler un peu de lui, même lorsque le dernier sondage a prouvé que Kamala Harris lui-même, il y a un écart face à Donald Trump, mais l'écart lui-même n'est pas trop. Ça veut dire que l'élection lui-même, ce n'est pas un bagage qui est facile du tout. L'élection est vraiment serrée entre Kamala Harris et Donald Trump. Parce que, d'après sa sondage rapporté, eh bien, pas de trop écart entre Kamala Harris et Donald Trump, mesdames, messieurs. Eh bien, c'est pour ça que ça fait que si toutefois que Kamala Harris lui-même, l'État voulait remporter l'élection, c'est pour ne pas lâcher, c'est pour continuer à lutter. Parce que Trump lui-même, il ne faut pas oublier que il y a pile personnalité qui campait derrière. Trump lui-même, il n'est pas venu pour jouer, il voulait à tout prix remporter l'élection. C'est pour ça qui fait que dernier moment ça là, et bien Donald Trump lui-même, l'a fait tout ça possible juste pour être capable de arriver, remporter l'élection ça. Et bien, pas oublier nous avons un état swing dans le pays États-Unis. Nous expliquons déjà qui ça directement que l'état swing même. Il y a un état rouge qui c'est républicain yo, et état bleu qui c'est parti démocrate yo. Ça nous on connaît que qui parti que yo pral voter même lorsque dans moment que n'a parlé là gain parti rouge yo, parti qui était habitué voter pour républicain et bien dans moment que n'a parlé là il commencé changer de couleur. J'ai regardé dans image là et bien c'est parti ça qui était voter pour républicain yo, et bien dans moment que n'a parlé là le fait que général Trump lui-même l'a préparé élection là. Eh bien, parti ça a commencé à changer de couleur. Raison, c'est parce que vous voulez changer dans le camp Kamala Harris. Pas oublier, me dit que parti bleu, c'est parti assurément qui prête pour voter pour parti démocrate. Et États-Unis, même Wisconsin, Pennsylvanie, nous avons Georgie, nous avons Nevada, Caroline du Nord, Arizona. Eh bien, États ça, ce sont des États clés que vous avez. Que candidat lui-même, il suppose qu'il contrôle. Parce que, Wall état swing lui-même, c'est comme si m'ta dit, c'est traite que lui. Parce que directement, ou pas qu'on est pour qui candidat que état ça lui-même, il pourrait voter qui c'est état swing lui. Et, n'a pas bloqué, lorsque Obama lui-même était président, eh bien, il était qu'il contrôle état swing lui net. Ça te permet que Obama lui-même était venu arriver, remporter l'élection lui. État ça c'est presque lui-même qui pourrait déterminer qui est-ce qui pourrait pour prendre les maisons blanches là, mesdames, messieurs. Il y a un programme en Californie qui c'est Dream for All. Eh bien, Dream for All, c'est un programme que les démocrates en Californie mettent sous pied juste pour pouvoir payer 150 000 dollars à des immigrants illégaux. Dans quelle idée, mesdames, messieurs? Eh bien, c'est une idée pour pouvoir devenir propriétaire, pour pouvoir gagner un caillou pour la première fois. Et pour le projet de loi, ça lui-même, l'État va adopter par Sénat, jour qui était mardi. Eh bien, je vais dire ce qui s'est passé. Après que le projet de loi ça lui-même, l'État va arriver adopté par Sénat. Gavin Newsom, qui est gouverneur État californien, eh bien, l'État va recevoir le projet de loi ça de la part de la législature de l'État. Eh bien, c'est une idée pour que vous soyez capable de subventionner les immigrants et que vous soyez capable de venir gagner pour Kaipay. Gen yon chef républicain dans l'Assemblée californienne, qui est James Gallagher, eh bien, monsieur ça, il n'est pas accepté avec la décision ça qui te prend. Et bien, dans la vidéo, nous allons détailler pour plus sur comment évolution la situation lui-même liée après que le projet de loi ça lui-même est adopté. Pas oublier, abonnez-vous à la chaîne, si vous n'êtes pas pour faire ça, et activez la cloche de notification. Il y a une façon pour capable notifier à chaque nouveau vidéo. Et pas oublier, quittez un like sous vidéo ça, juste pour faire un sens que le travail là lui-même est arrivé sur vous. Et partagez de façon pour capable aider un pilote moins informé. On entre directement dans la vidéo pour aujourd'hui. Et on a commencé avec le sujet ça, qui est le projet de loi ça lui-même, qui paraît très très belle. Côté que l'État a décidé de subventionner les immigrants illégaux dans la Californie, côté que il a fourni une somme de 150 000 dollars juste pour être capable de remplir la procédure dans l'idée pour être capable d'acheter propre caille. 150 000 dollars ça que immigrants ont besoin non, c'est pas un cadeau, mais c'est un plutôt yon prêt que l'État t'a décidé fait juste pour capable permettre que immigrants eux-mêmes yon rempli conditions. Non, entrevu que chef républicain en Californie qui c'est James Gallagher, et eh bien qui ça l'a déclaré,
eh bien, l'État a déclaré que le projet, ça, c'est un projet fou que lié. Il fait connaître que la législation, non seulement il a aggravé la crise frontalière, il a mis les immigrants trop à l'aise, et non seulement ça, il a permis que le prix arrive à augmenter, il a permis que via lui-même, il vienne plus cher. C'est ça que le chef républicain lui-même, il a déclaré. Ça veut dire que je suis capable de remarquer, eh bien, quelle que soit la décision qui est favorable avec les immigrants que les démocrates eux-mêmes ont décidé de prendre, eh bien, monsieur les républicains eux-mêmes ont toujours campé en quoi pour que les immigrants eux-mêmes ne soient pas à l'aise dans le pays, États-Unis. Eh bien, le programme Dream for All là lui-même, il n'a pas pris trop de temps pour qu'il adopte tout de suite après qu'il ait présenté. Eh bien, le programme ça lui-même permet que les gens qui à peine à acheter caille, eh bien, il y a 20% sur la quantité de cob que vous avez acheté. Vous êtes capable de dire prêter 150 000 $ juste pour commencer le processus. Le projet de loi Salim est adopté par 12 voix, mais il y a un pile démocrate qui n'a pas décidé de participer à ce vote. Le gouverneur État californien qui est Gavin Newsom, eh bien, il n'a pas indiqué si toutefois qu'il a signé le projet de loi ça. Si projet de loi lui-même est arrivé adopté par l'Assemblée législative là avant date 31 août cap vini là. Si toutefois que tout bagage est arrivé conclu, eh bien c'est un du plus pour immigrants dans Californie. Si toutefois pas d'avoir en pile restriction qui campé des projets ça pour que il pas faire chemin. Et quand on parle parler sur question sondage là, eh bien j'en ai regardé dans l'écran là, c'est comme ça que sondage lui-même yo représenté dans Arizona. Côté que Kamala Harris a 50% contre 49% pour l'ancien président Donald Trump. Et dans Georgie, Kamala a 50% contre 48% pour Trump. Et puis dans Nevada, Kamala a 50% contre 48% pour Donald Trump. Et dans Caroline du Nord, côté que Trump lui-même a 50% contre 49% pour Kamala. Donc, j'ai regardé dans le sondage là, nous, dans Caroline du Nord, Trump lui-même est devant Kamala Harris avec yon point d'écart. Eh bien, Donald Trump lui-même, il a un léger avantage sous Kamala Harris. Donc, c'est ça que je dis. Kamala Harris lui-même, il supposé toujours lutter. Il doit continuer à prouver. Il doit continuer à faire point dans la balance. Là, bien avant l'élection, parce que pas oublier que l'élection n'a pas manqué trop de temps pour être capable d'arriver là. Eh bien, Kamala Harris lui-même, il doit toujours continuer à faire point. Parce que pas oublier Trump lui-même, il a un pile de monde qui campait derrière. Et n'a pas bloqué un débat ça qui va le faire pour 10 septembre qui va venir là. Débat ça c'est Joe Biden qui était doué faire, mais le fait que Joe Biden lui-même n'est pas dans la course électorale là encore, et bien c'est Kamala Harris qui va avoir une opportunité pour que lui capable de faire débat ça face à Donald Trump. Et débat ça lui-même est déjà annoncé la couleur parce que gagne en pile parler en pile qu'a fait beaucoup de parti républicain. Côté que vous faites qu'on est que vous pas accepté pour que Miko Donald Trump l'année même arrêté ouvert, c'est fermé pour que Miko Donald Trump l'année même arrivé fermé. Et beaucoup de pas démocrates, vous pas accepté avec décision ça. Et bien c'est ça qui cause que tenir pile par pile qui était fait pour organisation réunion ça cap gain pour fête 10 septembre cap venir là. Gain en pile électeur qui ouais Kamala Harris, yon moun qui capable permettre que Amérique les même li gain yon l'autre allure, mais gain en pile l'autre électeur qui pas croit dans ça Kamala Harris qu'on a dit yo, c'est fanatique Trump que yo, c'est des Trump que yo campé. Bien avant que Joe Biden lui mette retiré tête li dans course là, eh bien Donald Trump lui-même, il était gain grand écart comparativement avec Joe Biden, j'en ai regardé dans écran là. Biden lui-même était en retard sur Trump dans chaque état. Il était gain 5 points sous Biden dans Arizona et Nevada en mois de juin qui s'est passé là, il était gain 6 points dans Georgie, dans le mois d'avril là, et il a gagné 5 points dans Caroline du Nord dans le mois de février. J'en ai regardé là, et bien c'est comme ça que Donald Trump lui a mis à mener combat sous Joe Biden. Depuis que Harris même fait apparition, et bien Donald Trump a changé dans le nom de Donald Trump, mesdames, messieurs. Et parmi les électeurs qui n'ont pas voté depuis avant 2016, et bien ils ont déclaré que c'est pour Kamala Harris que vous allez voter. D'après sondage, il y a 4 électeurs sur 10 qui fait qu'on a que la question économique, c'est une bagarre qui a mis en évidence pour faire choix de qui est-ce que vous allez voter pour mettre président pays États-Unis. Ça veut dire que les électeurs vont regarder qui ça que Kamala Harris a mis dans la jacoute pour la question économique. Et qui ça que Trump lui-même lui porte dans Jacoutli pour question économie dans le pays États-Unis, mesdames, messieurs. Si toutefois, vous avez choisi une pour gestion économie pays États-Unis, qui est-ce que vous pensez entre Trump et Kamala Harris?
Kamala Harris lui-même il va gagner une interview que il va gagner pour le faire avec CNN, et bien c'est vraiment une étape clé pour Kamala Harris. Faut qu'il évite de faire erreur et lui doit direct dans tout ça que il va dire lors de interview ça que il va gagner pour faire avec CNN. C'est vraiment une occasion pour Kamala Harris pour mettre en valeur qualité dirigeante lui. C'est vraiment une occasion pour lui capable convaincre quelques électeurs qui pas fin quoi dans lui. Parce que c'est pour aller en interview et viser, pour aller en pile personnalité qui pour aller pour suivre interview ça que Kamala Harris même pour aller pour le faire, mesdames, messieurs. Interview ça que Kamala Harris même pour aller pour le faire, c'est pour aller en étape importante dans la campagne là, même avec débat ça lui-même qui pour aller pour le faire 10 septembre face à Donald Trump là, c'est pour aller étape importante pour Kamala Harris, c'est toutefois que l'État veut devenir président, parce que c'est à travers des étapes ça qu'il pour aller convaincre en pile monde que jusqu'à présent, qui pas pour faire confiance, qui pas pour essayer de comprendre directement qui ça que Kamala Harris voulait porter pour le peuple américain, si toutefois il a vu marquer l'histoire. Et entre parenthèses, il faut qu'on ait que Trump vienne premier candidat pour représenter un grand parti dans le pays États-Unis et que il t'a pas reconnaître coupable de crime que l'il est arrivé commettre.